Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Voici l'introduction du premier cours de méditation selon les techniques du moine de forêt, premier cours qui a eu lieu avec moi le 21 septembre 2022 à 20h dans un salon en ligne. La méditation et a fortiori l'illumination, même si elle peut aider à accomplir notre identité, n'est pas un processus émotionnel ou intellectuel, ni l'approfondissement d'un principe philosophique ou sociétal. La méditation commence avec un ensemble de techniques d'observation de soi qui sont utilisées pour déclencher un processus radical de métamorphose complète et de transmutation des cellules et par conséquent de toute la personne sous tous ses aspects. Je me suis rappelé un événement amusant alors que je voyageais en Inde. Goenka était l'un de mes professeurs. J'ai assisté à quelques-uns de ses cours à Mumbai, au nord de l'Inde, alors que je me dirigeais vers l'ashram de Ramana Maharshi au sud. Le long du chemin, j'ai rencontré un certain nombre de professeurs, car dans ma jeunesse, il n'y avait pas d'internet, et donc, lorsqu'on avait de profondes questions spirituelles, il fallait y aller en personne. J'en ai rencontré beaucoup auxquels j'ai posé ma question « Qui suis-je ?» et « Si je pouvais être illuminé ?» J'ai travaillé avec eux alors qu'ils étaient encore en vie, comme Nisargadatta Maharaj qui a écrit « Je suis » ou Jiddu Krishnamurti, « Se libérer du connu », Ma Anandamoy et beaucoup d'autres. Ce jour-là, nous étions à peu près 300 ou 400 personnes sous une immense tente posée sur une structure en bois. La session de méditation allait commencer. Je regardais vers le haut et je vis une énorme chauve-souris de la taille d'un gros lapin qui était suspendue à l'une des poutres tête en bas. Et d'un seul coup, la chauve-souris s'est laissée tomber et a atterri sur la tête d'un méditant et qui se trouvait quelques rangs devant moi. J'ai trouvé la situation extrêmement drôle et j'ai commencé à rire. Puis la chauve-souris s'est déplacée de tête en tête jusqu'à atteindre quelqu'un proche de moi. Je n'ai pu retenir mes éclats de rire et mon voisin a ouvert les yeux. Et il a commencé à rire aussi, puis plein d'autres personnes. Et enfin, toute l'assemblée s'est mise à rire d'un grand éclat de rire unanime. Et enfin, Goenka et son épouse, qui étaient sur une estrade en face de nous, se sont mis à rire. Et pendant 10 minutes, tout le monde riait à gorge déployée. Ce qui était le plus drôle, c'est que tout le monde riait. Et personne ne savait pourquoi, sauf moi et peut-être mon voisin. Puis le rire s'est estompé et nous sommes retournés à notre méditation. Cet énorme éclat de rire a été la plus belle méditation commune à laquelle j'ai jamais assisté. L'illumination est une vacuité, un vide. Le vide où les mots sont vains, les images, les concepts, les codes et les symboles, des signes fuyants qui ne résonnent plus, pas même de leur propre écho. Dans l'espace dont la pensée s'entoure, il est impossible de réaliser l'illumination, car elle ne peut pas être pensée. Elle ne peut être que réalisée. C'est un processus dynamique. Pour être pleinement, le flux incessant et chaotique de la pensée, des préoccupations, des contrariétés doit cesser.
être libre de toute pensée dans un espace de vide total. Une manière d'être entière, non divisée et non duelle, sans bien et sans mal. Pour accéder à la profondeur silencieuse de votre cerveau ou de votre être, vous devez dépasser ces zones bruyantes dans lesquelles vous passez certainement la plus grande partie de vos journées. La méditation n'est pas un outil utilitaire. Elle ne sert à rien en particulier. Mais en elle se développe un mouvement de contemplation ou d'observation qui ne doit pas être confondu avec celui du plaisir et qui donne au regard, au cerveau et au cœur une qualité de grande innocence. Le cœur incontournable de la méditation est l'illumination. La rechercher et la garder dans votre viseur est le début d'un cheminement et d'une grande aventure. C'est celle d'aller à la rencontre de quelqu'un, ce quelqu'un en vous que vous ne connaissez peut-être pas du tout ou pas encore vraiment. L'illumination, c'est un rendez-vous avec vous. Un vous qui est si profondément ancré en vous que vous ne savez peut-être pas qu'il y siège, silencieux et attentif. Même si vous pensez le connaître, les archétypes humains qui y sont enfouis le sont depuis avant votre conception, dans l'ADN de l'humanité. Et pour en prendre conscience, vous devez déplier les multiples couches qui vous composent, le palimpseste de votre être. Si vous souhaitez que ce moment, avec vous-même, ne soit rien de plus qu'un moment de bien-être, eh bien, c'est ce qu'il sera. Et ce peut être déjà une première étape à votre cheminement spirituel. Le calme, la distanciation d'avec les pensées, il vous aidera à combattre le stress et commencer votre journée du bon pied. Il vous aidera à affiner votre sensibilité, détendre votre corps et votre activité cérébrale. Vous serez heureux et détendu. Ce parcours sera similaire à une promenade en forêt. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous allez devoir mettre les crampons et vous munir de cordes d'escalade. Ça va devenir un parcours d'escalade en haute montagne avec beaucoup de dangers, des plats ennuyeux et des crevasses à dépasser. Si vous voulez mettre un stop aux montagnes hautes et basses de votre vie, aux manipulations sociétales, à vos réactions qui vous étonnent et peut-être vous embarrassent quelquefois, si vous en avez assez de passer d'un extrême à un autre, de subir des comportements qui vous rendent malheureux ou qui ennuient vos proches, si vous souhaitez que la méditation soit votre mode de vie et votre manière d'être 24 heures sur 24, alors le moment est arrivé de la pratiquer avec l'illumination dans votre viseur. Profondément enseveli sous les fondations de ce que vous considérez être votre vous et organisé en couches successives interpénétrées, se découpent les grands calques de l'être, disposés comme les anneaux de croissance d'un arbre. Vous avez développé votre intelligence, votre intellect, votre culture, votre expérience de vie, en choisissant d'en faire de grands axes modélisants bâti sur les systèmes fondamentaux de croyances qui définissent votre perception de l'existence et votre vision du monde. Si vous êtes vraiment sérieux et sérieuse dans votre recherche de l'incommensurable, la méditation va probablement remettre en question vos systèmes de croyances, votre culture, tout ce qui est en vous et autour de vous. C'est non seulement probable, c'est absolument certain. J'aborde ce sujet car nous allons nous enfoncer plus profondément
dans la pratique de la méditation. À partir de ce point, il y aura de moins en moins d'espace pour la personne que vous êtes en ce moment, avec ce que vous appelez vos défauts et vos qualités. Vous allez être transformé. Cela signifie que vos systèmes de croyances, ce que vous avez acquis depuis votre naissance, sans peut-être jamais les questionner, vont être remis en question. Vous allez être différent, vous allez penser différemment, et vous devez être en mesure de gérer la transformation et la différence qui s'ensuivra. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas un jeu. Prenez l'entière responsabilité de votre pratique avant d'aller plus loin et assurez-vous que c'est bien ce que vous souhaitez faire. Votre méditation sera le réceptacle d'une minutieuse exploration axée sur vous-même et sur la nature de la réalité. Vous allez construire clairement ou reconstruire votre conscience, votre monde, votre science et votre existence d'une manière logique et raisonnée qui donnera du sens à toutes les données personnelles et professionnelles que vous avez acquises depuis votre naissance. Certains éléments inattendus feront surface pendant vos séances et vous vous demanderez pourquoi et ce qu'ils signifient. Des tranches de mémoire anciennes datant de votre enfance, d'avant votre enfance, de vie passée ou de la mémoire collective de l'espèce humaine récente ou extrêmement ancienne émergeront de votre subconscient. Une connaissance dont vous n'avez peut-être encore aucune idée et dont vous interrogerez la source. Ce qui a suivi ensuite pendant le cours était ma présentation du processus de l'illumination en détail et nous l'avons terminé par une série de questions et de réponses. Si vous souhaitez rejoindre ces cours, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de chaque cours à midi et les cours suivants seront affichés par cours individuel ou à l'ensemble des cours restants le lendemain. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des cours le 30 novembre 2022. Nous aurons peut-être le plaisir de vous y accueillir.